Salut à tous, c'est JMN entre Buenos Aires et Abu Dhabi. Aujourd'hui, je commence cette vidéo par vous présenter une chaîne que j'aime particulièrement. Il s'agit de Suisse Fourmi Feu Feu. C'est une chaîne que j'ai découverte il y a quelques semaines. Alors pourquoi je l'apprécie particulièrement? Et bien déjà, premièrement, il y a de l'humour. Il y a un véritable contenu, ce qui est encore plus important. Il y a, par rapport aux premières vidéos, une véritable évolution de la chaîne. Il présente plusieurs espèces de fourmis vraiment très intéressantes. Et en plus de cela, il m'a fait découvrir un site vraiment très intéressant pour tous les voyageurs ou les futurs voyageurs. Ce site s'appelle AntMaps. Donc Feufeu, si tu le permets, je me permets de reprendre aujourd'hui ce site parce qu'il va m'être très utile pour Abu Dhabi. Je vais pouvoir avec vous vous montrer un peu les espèces que je suis susceptible de rencontrer là-bas. Donc si comme moi vous êtes sensible à Feufeu, n'hésitez pas à visionner ses vidéos, à vous abonner. Il a aujourd'hui 113 abonnés justement. Et honnêtement, il en mérite beaucoup, beaucoup plus. Donc soutenez-le, Feufeu, bravo pour ta chaîne. Générique, et on se retrouve juste après. Alors, comme l'expliquait très bien Swiss Fourmi, c'est la première carte interactive de la répartition mondiale des fourmis. Et Cocorico, chose importante, c'est un Français qui est également à l'origine du projet en la personne du docteur Benoît Guénard. Alors Cocorico, vive la France! Nous sommes sur le site internet de l'Institut d'Okinawa et nous allons aller rencontrer, tout du moins en photo, Benoît Guénard. Allez, sans plus attendre, on va maintenant cliquer sur AntMaps. Donc vous allez avoir la carte du monde qui apparaît en couleur, c'est très lisible. Nous allons nous diriger bien sur l'Argentine, gros plan sur l'Argentine, et on va tenter de voir s'ils ont répertorié les espèces que je vous ai présentées. Alors c'est parti. Ils en ont répertorié 215 sur Buenos Aires et la région. Effectivement, Acromia mexlandi, je vous l'ai présenté. La fameuse Componotus mus, ma préférée, et la Componotus substitutus, c'est celle que j'ai offert donc à l'école. Maintenant, on se dirige sur le pays qui maintenant va m'intéresser, sur les Émirats Arabes Unis. Donc là, on va voir combien d'espèces sont recensées. On clique. 101 répertoriées. Eh bien, à moi de travailler, à moi d'imprimer la liste, parce que ça va m'être très utile. J'ai rien trouvé sur Internet. Si vous trouvez, vous, sur Internet, des vidéos concernant les fourmis des Émirats Arabes Unis, alors là, je suis preneur. Et il y a un plus sur ce site Internet, c'est que vous pouvez cliquer sur AntWiki directement et tomber, si vous trouvez une espèce, tomber directement sur l'identification. Et ça, c'est vraiment un plus. Et bien voilà, en fin de semaine prochaine, j'arrive à Abu Dhabi. Je vous promets de vous faire une vidéo très très vite. Je vais tâcher de vous montrer quand même le quartier où je vis. Peut-être un petit morceau de plage et puis des fourmis bien sûr. Voilà, c'était JMN entre Buenos Aires et Abu Dhabi. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao !